Ça veut dire que quiconque a exercé des responsabilités, quiconque connaît, y compris les équations qui sont celles de la prochaine élection présidentielle, devrait s'abstenir de tirer en permanence contre son propre camp. Ça n'est pas comme ça qu'on avance. Et ce n'est pas sur le chaos que peut naître une candidature. Et François Hollande met en place un chaos, favorise ce chaos ? Je dis que quiconque souhaite que la gauche et les écologistes demain puissent à nouveau gouverner, devrait aider ce bloc social et écologique à avancer, plutôt que d'en permanence chercher à le critiquer et à l'affaiblir.